micro. Et l'on retrouve la barre fixe maintenant avec Fabien Bougas. Voilà, là encore, un nouveau gymnaste jeune et talentueux que l'on découvre. Un travail proche de la barre, un petit peu difficile pour remonter jusqu'à l'équilibre. Nouveau endo, jambes serrées, passage sur le dos. Grand tour dorsal. Et il a vu arriver la sortie, le coach. Voilà, je dirais tentative de Pogorelov. De la lune dorsale, un seul toit encore tendu avec une vrille dans l'espace. Voilà. Avant de rattraper normalement la barre, mais il était un tout petit peu loin. Petite erreur technique sur le fouetté qui aurait dû le rapprocher un tout petit peu plus de la barre pour pouvoir reprendre et enchaîner correctement. Voilà, et sous la barre, son entraîneur Jacky Ratoin. Il l'a vu, hein, il a vu que le lâcher allait. Et oui, il a anticipé, ah ça, oui. Se voit, c'est vrai, très rapidement. Pour Fabien qu'on découvre à la télévision. Et une très belle sortie malgré tout. Une double arrière tendue avec une vrille, Fabien Bougas peut-être impressionné aussi d'être en finale du championnat de France à la barre fixe pour la première fois. La belle élévation, le corps est bien tenu, les jambes bien serrées, la chute bien stabilisée. Voilà l'exemple même de ce qu'il faut faire.